retour pour le match retour justement entre SKT et G2. On vous rappelle ce qui s'était passé lors de la première rencontre. C'était l'ouverture du MSI Main Event et pour moi peut-être ce qui est une des games les plus propres stratégiquement parlant du tournoi où G2 avait massacré en 20 minutes SKT du début à la fin avec des belles rotations, des belles agressions. C'était un plan de jeu très bien mené, donc forcément SKT ici arrive en underdogs. Maintenant c'est SKT, on a déjà vu les rectifications qu'ils ont amenées entre hier et aujourd'hui par rapport à certaines games. On peut penser à la game de 15 minutes 57, soit 16 minutes 1 avec l'explosion de 4 secondes du Nexus, où ils ont réussi à corriger le tir, notamment sur la game de ce matin avec un Clyde de toute beauté sur son Lee Sin qui vient martyriser le jungler adverse. Donc c'est SKT, oui, ils ont perdu, oui, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils n'ont pas tiré les enseignements de cette défaite. Au contraire. Exactement. C'est une rencontre qui peut être très, très intéressante dans la mesure où tu l'as dit, du côté de T1, on rectifie le tir. Du côté de G2, G2, c'est un petit peu l'élève, tu sais, qui a des facilités, un petit peu génie. Mais s'il n'y a pas d'enjeu, ça ne l'intéresse pas, il ne joue pas. On a bien vu, ils ont quand même un petit peu de choc tout à l'heure. Ils ont de choc alors. Parce qu'ils ont pêché par excès de confiance. Oui et non, parce que pour moi, ce n'était pas la défaite la plus stupide qu'on a pu voir. Non, tout de même, c'est vrai. Aussi font vous qui met en place un excellent snowball alors que peut-être G2 ne respecte pas assez, mais on a vu des plus grosses rows. J'ai tout de même, c'est un peu une contre-perte de G2 accompagné d'une très bonne perte de Fong Vu, plus qu'un gigantesque throw. Par exemple, je tiens beaucoup plus rigueur à G2 la game contre IG avec la Vayne top que la défaite contre Fong Vu. Bien sûr, bien sûr, mais bon, pour une équipe telle que G2, perdre quelqu'un dans une situation de 2 contre 2 pur sur la botlane aussitôt, oui. c'est quand même à mon avis, c'est un excès de confiance qui est quand même magistral, oui, qui leur a coûté très très cher. Toutes les contestations sont allées flash, etc. Enfin, il y a eu beaucoup d'erreurs. Voilà. Et donc, pour les G2, T1, forcément, c'est un adversaire de taille, ne serait-ce que par la légende qui entoure cette équipe. Donc, on peut s'attendre à avoir une équipe G2 qui, encore une fois, va faire le maximum pour montrer le meilleur niveau de jeu. Face à une équipe T1 revancharde, peut-être la game la plus... avec le plus d'enjeux de cette journée noire. Et ça laisse un Jace ouvert, Jace qui était quasiment à 100% de ban, voire à 100% de ban pendant ce main event, voilà bien sûr. Khan peut-être un des meilleurs Jace du monde, voire sur l'année dernière, ou plutôt l'année d'avant même, le meilleur Jace du monde. Ouais. Khan sous King Zone, c'était un pic absolument monstrueux. Maintenant, on sait du côté de G2, c'est pas comme s'ils ne connaissaient pas ce pick sur ce top laner. Qu'est-ce qui va être mis en place pour G2 pour contrer ça? Ouais, il va falloir contrôler évidemment ce Jace, ce pick. Pic de cœur de la top lane coréenne. On a pu, pour ceux qui suivent la LCK, vous le savez. Alors là, voilà, on est sur le toit du monde, entre guillemets, avec Khan qui l'a récupéré. Il va falloir trouver des solutions. Et c'est vrai que généralement, quand on a du Jace, on aime bien répondre avec du Jarvan, puisque voilà, Jace, c'est un champion qui a, entre guillemets, peu de mobilité, qui peut être très sensible à des gants de Jarvan, notamment à son cataclysme. Et voilà, si jamais le jungler peut se rendre disponible pour aider le topside, ça peut aller très vite. La réponse côté SKT, aucune hésitation. Jace, voilà, c'est un pick qui, généralement, dans le premier niveau, peut prendre le push facilement. Et à partir de là, tu peux chercher à le propulser, à le mettre sur orbite, en proposant éventuellement un dive, en s'appuyant sur une hélice, sa capacité à swap la grue de la tour avec son rappel. Côté SKT, la couleur est annoncée noire. On veut du sang, on le veut vite et on veut prendre l'avantage très très tôt. Le Ezreal est quasiment auto-annoncé pour Teddy. Je pense qu'ils en sont conscients, les G2, avec une compo très agressive dans limit game. Varus, Tahm-Kench, on reste dans le classique, ça n'empêche pas OS de fonctionner. C'est une duolaine qu'on risque de voir de plus en plus, Varus, Tahm-Kench, avec les options qui sont proposées par ce carry AD dans les situations notamment de 1-3-1, tout comme Tahm-Kench. Il n'y a pas besoin encore de présenter les atouts dans les 1-3-1 de ce champion. Donc, une duolaine solide dans la méta. Les G2 qui vont révéler leur solo lane uniquement à la seconde phase de pick. Alors après, on pourrait envisager un Jarvan top. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Oui, après, contre Jace. Je le vois plutôt ça clairement dans la ça a disparu depuis un petit bout de temps. Hein. C'est... Voilà, Ezreal. Le Vladimir... qui est plus un ban contre la top lane de Jace. Parce que ça peut tenir, même si ça se fait malmener en early game. À terme, ça tient. Contre un Jace, même avec un Jace marque du bourreau.
Rico, très bon pick aussi pour tenir le top. Alors, Wunderp a à peu près tout joué. Ok, Corki sur la mid lane. Très très bon champion aussi pour un 3-1 éventuellement. Oh, le pike top. C'est le pike top. C'est confirmé. C'est quelque chose qui traîne en solo queue. C'est quelque chose que l'on peut voir dans les OPGG des joueurs ou dans les Tracking the Pros. Voilà, on sait que c'est un pick qui existe au top. Et du coup, c'est Wunder qui va s'en emparer. Pike top face au Jace de Khan. Avec une Elise rôdant dans la jungle. Tous les regards seront portés sur la top lane a priori, hein, dans les premières minutes. Parce que voilà, Pike, il y a moyen qu'il se fasse push sous sa tourelle. Si Khan avec son Jace se retrouve sous la tourelle de son adversaire avec une intervention d'Elise, je l'expliquais, ça peut aller très très vite. Yankos du coup pourra pas se permettre d'ignorer ce topside. Et la Miss Fortune qui va être lock pour Teddy. C'est sur la botlane, accompagné par le Brum de Mata. Quel draft. Alors, déjà Noah pour cette rencontre, pour ce match retour. C'est bien le pike top qui va être log si jamais ce Corki est validé sur la mid lane. Ce sera une Leblanc sur la mid lane contre Azir. Oh là là, c'est une belle game qui s'annonce. Ouais, ouais, ouais. Là on a quand même de très très belles drafts avec beaucoup d'options très agressives. Et finalement, la composition SKT qui ne s'inscrit pas dans le plus pur 1-3-1. On a cette option split push portée par Khan. Alors après, côté G2, qu'allons-nous faire de cette top lane? Ils mettent le Tam top plutôt, je suis pas fan. Hein. Ce serait Tam Kench top. Non, voilà. Non, voilà, ok. Donc qu'allons-nous faire de ce pike top? Tam Kench top, autant prendre un Horn dans ce cas-là. Quitte à se faire bolosser par un Jace, autant prendre un Horn qui permet de l'engage, qui permet de punir. Et en plus, pike top, on savait, hein. Alors on l'a pas encore vu de la compétition, on savait que c'était méta, on savait que ça avait été joué, mais on ne connaissait pas non plus vraiment les conditions d'application de ce pike top. C'est la question que j'allais poser, je parlais de la seule option split push côté SKT avec ce Jace. En face, les G2, la capacité de pike à bien se comporter sur une situation de split push, personnellement je la connais pas, donc au final, on va peut-être avoir des plans de jeu un peu plus classiques, un peu différents du 1-3-1 auquel on était quand même bien habitué. Et c'est pas pour me déplaire, c'est bien de voir un petit peu de diversité sur cette scène internationale. En tout cas, le match retour avec beaucoup d'enjeux. Les SKT qui ont une revanche à aller chercher. On va avoir droit au Azir de Faker, au Jace de Khan. C'est parti pour cette rencontre. Donc le pike s'est mis à top lane, voilà le chat hein, qui sort les inhalateurs pour compenser un peu la découverte de ce pic. C'est quelque chose, voilà, on en avait un petit peu parlé en amont dans le tournoi. Maintenant, voilà, dans la théorie, ça marche. Dans la pratique, on joue MSI contre les champions de Corée. Voilà, alors là, c'est tu peux pas avoir de meilleur indicateur de si ce choix peut fonctionner. Aftershock pour ce pike sur la top lane. L'idée, bien évidemment, c'est de pouvoir temporiser la phase de burst du Jace. S'il time très bien sa maîtrise, il peut s'en sortir, Wunder, sur cette top lane. Même si, bien évidemment, le push devrait Khan, être porté facilement. Khan, attention, effectivement, le coup de langue qui va le ralentir. Mais la réponse est bonne du côté SKT. C'est un Brome au niveau 1, c'est une MF, il y a beaucoup de dégâts. Voilà, c'est pas forcément le trade que les G2 veulent prendre. Mais je suis assez curieux. Alors normalement, tout de même, de ce qu'on connaît, Leblanc devrait avoir l'ascendant sur Azir. C'est directement un pick qui est joué pour venir contrer. Il n'y a pas beaucoup de counterplay pour Azir, faut vraiment être bon. Alors tu peux punir un petit peu sur le backdash de la Leblanc en possédant bien tes soldats. Après voilà, Faker peut-être un des meilleurs Azir du monde. Je suis assez curieux sur la bot lane. C'est vrai que Varus Tam Kench est une des meilleures phases de lane et les plus safe, sauf quand c'est incarné par Double Lift. Et toute rôle mise à part bien sûr. C'était surtout un énorme travail de gank sur la bot lane de Teddy d'ailleurs, enfin de Teddy de Clid, pardon. Ouais, de counter gank, ouais. Absolument.
Et un grab qui va être manqué. Wunder qui, comme prévu, va se retrouver sous sa tourelle. Et là, ce qu'il faut suivre avec attention, c'est les déplacements de la jungle. Yonkos qui a commencé bot side, tout comme son adversaire. Alors, c'est les pas deux. C'est pas très commun pour un Jarvan de pas partir directement au raid, ouais, pour tout de suite aller invade le carapateur. Là, c'est obligatoire d'être top side à ce moment parce que voilà, les deux junglers ont commencé bot pour pouvoir être top aux alentours du niveau 3 avec la contestation du carapateur qui va être extrêmement importante parce qu'elle va conditionner la capacité à Wunder à rester en vie sur cette top lane. Il ne peut pas contester, hein, Yonkos. Et au rendez-vous, il y a la prio pour Il y a Faker qui est en train de décaler dans le bot side, mais c'est pas sûr qu'il avait complètement l'info pour les G2, parce que la ligne était bien push, et surtout, le Jayce a complètement la prio au top. Yonkos, en fait, par le fait de commencer blue puis d'aller au raid, il pouvait pas contester ce carapateur. Je comprends même pas qu'il l'ait tenté. Et du coup, c'est Clyde hein, maintenant qui a cette énorme priorité. Ouais. Et Yonkos n'est pas dans le coin au moment où il aurait dû l'être. Ouais. Je suis un peu sceptique sur ce starting jungle de Yonkos. Là, ça peut être très compliqué pour le top laner G2. Khan qui temporise bien, qui envoie pas les creeps sur la tour trop vite. Et qui gratte Wunder, qui quand même récupère son niveau 3. Alors, est-ce qu'ils peuvent réellement le dive? Il faudrait un bon cocon. C'est un pike avec un dash, un stun et une invisibilité. C'est très dur à dive tout de même. Il faut le cocon, quoi. Ouais, c'est le flash cocon ou rien. Ah, par attention, contre, hein. Yonkos n'est pas au rendez-vous. Le CC vient de proc. L'aftershock est terminé. Wunder est condamné. Il va falloir trouver un flash magistral pour le top energy tout. La téléportation de Caps pour arriver peut-être. Wunder qui temporise et le first blood. Je l'avais annoncé. Il a été récupéré par les SKT. Est-ce que Caps pourra trouver le revenge kill sur ce top? Ça a été extrêmement important. Caps qui se fait mettre très très low HP. Renvoyer sa tourelle. Le flash cocon de Clyde qui sera manqué. C'est bien tampon. Le coup de tour qui a été pris par Clyde. Est-ce qu'on peut aller chercher du côté de Wunder avec un dashin, avec un grab, peut-être un kill sur Clyde? Clyde, le flash in de Caps, la chaîne et le kill. C'est tempo, ça coûte cher tout de même. Attention, Faker qui vient faire la porte de sortie. Le dash à travers le mur, pas de problème pour Caps. Alors, Caps récupère ce kill, c'est une bonne chose pour lui. Le grand sacrifié dans l'histoire, Noah, c'est Wunder qui va devoir faire le dos rond et en cause peut-être le gant qui pourra pas trouver le cancel de dash avec son combo. Caps, il récupère un buff, enfin, c'est excellent pour Caps. Effectivement, ça compense un petit peu la perte. Par contre, Wunder, il a déjà pas un match-up facile, je pense, contre un Jayce. En plus, pas n'importe quel Jayce. Qui a le first blood. Hein. Qui a le first blood, il prend pas d'assist, il a moins 10 CS, sa lane est en train de push. Et là, il est revenu avec double lame de Doran, plus épée longue. Il est tellement bien, Khan. Et pour moi, c'est un peu le passing de Yonkos d'early game, pour moi, qui a mené à cette situation où le Jarvan ne peut pas être là pour défendre. Ouais, et Wunder, en plus, qui se dit qu'il est un peu safe et qui claque son dash, pour essayer de farm. Et du coup, qui est vulnérable au gang de Clyde. Il y a eu... alors, c'est des petites erreurs, ou plutôt SKT qui joue très bien le coup. Bah, quand tu vois Elise plus Jayce, tu sais ce qui va se passer. Normalement, c'est le genre d'erreur qui sont inenvisageables. Alors heureusement il y a eu cette TP de Caps, on a pu trouver compensation. Maintenant il va falloir que Caps rayonne parce que sur le top side, Wunder il va pas s'amuser beaucoup. Il y a déjà presque 20 creeps d'avance pour Khan qui est en train d'établir une nette domination de lane. Attends, la dernière interrogation c'est comment ça va se passer sur ce bot side. Ouais. Parce que le niveau 6 de SKT est violentissime. Alors Brom a peut-être pas le DPS et les facilités d'engage d'une Leona, parce qu'on se souvient forcément du Leona MF. Et tout de même, c'est largement assez de contrôle pour permettre un déluge de plomb. Et Clyde qui veut frapper là où ça fait mal. Il a compris quel était l'axe de force pour ce moment de son équipe. Alors Yonkos, sera-t-il au rendez-vous cette fois-ci? Pas de dive. On se reporte sur le carapateur topside. Ça devrait être un peu plus calme finalement, moi. Ouais, bah Yonkos est obligé hein, de venir babysit. À chaque fois où la vague rebondit sur la tour, il est obligé d'être là. Ouais. Bon, on a eu un pick Vayne qui a pas marché, on a un pick Pyke maintenant qui a pas l'air non plus de prendre forme. C'est un peu tôt, il prendra peut-être sa pleine mesure plus tard. En tout cas, Yonkos qui est parfaitement spot, Clyde qui continue d'appuyer sur ce topside. Et Wunder, voilà, c'est soit il galère à récupérer des last hits quand ça pêche en sa défaveur, soit quand il est sa tourelle, il a peur de se faire dive. Mais par contre, il y a le décalage hein, de Caps. C'est peut-être ça la porte de sortie des G2 dans cette game. Apporter le surnombre, effectivement, ça semble pas avoir été call par les SKT qui reste là. Khan, attention, pas dans le collimateur, il n'y a pas de flash sur le top laner des SKT. Téléportation de la part de Matef, ça suffira. Bon cocon de la part de Clay. Attention, le combo sur Yonkos qui vient de se faire découper. Les G2 qui sont tombés dans le piège. Super TP de Mata. Il n'y avait même pas besoin de cette TP de Mata. C'est du zoning, quoi, c'est tout. Ça permet de tempo parce qu'effectivement, ils y seraient allés, ils auraient pris le kill peut-être avant l'arrivée
de la jungle avant l'arrivée de Clyde. Avec l'unbreakable juste devant pour défendre. Ça permet peut-être de reprendre un peu le push sur le bot side, mais même pas, on n'a pas trop pu profiter de tout ça. Et pour l'instant, les Skating qui nous signent un très bel early game. Ouais. Ben, ils ont un plan de jeu dans leur draft pour l'early. Ils jouent ce plan de jeu. Et ça se passe très bien. Tout simplement. Ouais, ça a été complètement manqué par Yonkos. Avec Elise qui attendait déjà là. Non, rien à dire, il attendait ce gank. Clyde avait une longueur d'avance sur Yonkos. Il était positionné dans les bush. Il n'avait pas donné l'information et du coup, ils ont l'effet de surprise. Et on continue d'appuyer sur ce top side. Second qu'il récupérait par Khan. 20 creeps d'avance. Khan sur son prochain back, il va revenir avec tellement. Avec un bazooka sur sa lane là, il va avoir tellement d'avance sur son adversaire. Avec les plaques. Rapide, Clyde qui revient encore sur cette top lane. Ah bah c'est l'heure du dive hein. C'est de nouveau l'heure du dive, il y a le décalage de caps. Est-ce qu'on arrive à temps pour Wunder qui va louper son grab, le cocon qui ne touchera pas Wunder, ouais. Le kill et Caps fait le décalage une fois de plus sans succès. Et pourtant Caps il déploie énormément d'efforts pour essayer de colmater la brèche, d'arrêter l'hémorragie topside. Mais ça coûte tellement cher sur sa mid lane. Exactement, voilà, 80 creeps dans la poche de Faker, laissé en free farm sur cette mid lane. Azir free farm, c'est rarement un bon plan. Le navire Jitu est en train de prendre l'eau par le topside là. C'est complètement ça déséquilibré la game. Et la duo lane s'en sort très bien, forcément en plus Mata avec sa téléportation top a laissé un petit peu son ADC seul. Et c'est pareil, Mickey, ce qu'on n'a pas trop vu en décalage, peut-être qu'il faudra attendre le niveau 6. Il a pas de TP forcément, il joue avec une cleanse contre un Braum. Alors la question qui se pose pour Clyde, c'est est-ce qu'il continue à jouer topside, sachant que le héros de la fête n'a pas fait son apparition et que le Jace est déjà bien, il a déjà de la létalité, beaucoup de dégâts, de la CDR, et sachant qu'il y a un Carapateur et un Dragon des Montagnes à jouer bot et que sa duo lane commence quand même à accuser le coup du match-up face à Varus Tahmkench. On aurait peut-être besoin d'un Clyde un petit peu plus présent sur la bot lane, éventuellement combiné avec une décale de Faker sur le timing de TP de Khan qui va revenir. Je pense qu'on peut s'attendre à voir les SKT faire un gros move sur la botlane dans les minutes à venir. C'est Faker a du mal à bouger par contre. C'est Azir. Hein. C'est Azir. Et puis est-ce qu'il a envie de bouger de toute façon? Je pense qu'on a plus envie de punir les déplacements de Caps qui sont non fructueux. Yonkos. Le stun qui est trouvé, le grab. Khan. Il y a le flash pour Khan, mais là il est très avancé sur la lane. Et il va tout de même essayer de l'utiliser. On n'a plus rien pour Yonkos. Il a plus son dash. Il a encore le cataclysme. On essaie de prendre de la vision. Le décalage de Faker. Combo cataclysme. Est-ce que ça suffira? Il n'a pas la rage. Il n'a pas la rage. Si c'est bon. C'est bon. C'est récupéré. Shutdown dans la poche de Yonkos. Et la réponse. DSKT, elle se fait sans attendre sur ce dragon, sur la partie inférieure de la map. Alors, le shutdown est tombé. Mais cette intervention de Yonko sur le top side, est-ce qu'elle n'est pas un peu tardive, Noah? Parce que voilà, on va récupérer cet objectif neutre. Il y a une réponse hein, de la part de Perks avec cette chaîne de corruption, le dash de Caps qui arrive. Il y a Faker qui va faire son entrée dans le fight et appuyer deux balles de la part de Teddy. Flash out de Caps, Migix dans la tourmente qui n'a plus rien. Migix sacrifié. Quel ultime Mata qui pile complètement sur le go-in de Caps. Et tu disais, oui, est-ce qu'il passe pas un peu trop tard? Il a essayé de passer plus tôt, ça s'est jamais très bien passé. Après, je pense que le dragon des montagnes, c'était vraiment le dragon peut-être le moins gênant pour les G2 à venir affronter en ce début de partie pour essayer de remonter. Ça n'a aucun avantage, à part peut-être vraiment sur les objectifs neutres, qui n'existent quasiment plus déjà à ce moment-là de la partie. Pas avant le Nashor, on avait le temps. Et ils ont essayé de disputer ça. Le regank, on va vraiment essayer de tout donner à Wunder. Wunder, il n'a pas l'ulti pour l'instant. C'est dommage que Khan ne respecte pas là, cette absence de vision. Caps va le réceptionner. Il y a tellement de temps et de ressources qui ont été investies pour mettre Khan bien. Que c'est dommage qu'il se fasse catch comme ça un petit peu bêtement. Il jette sa stopwatch aussi. Le décalage de Mata un peu tard. Après, à chaque fois qu'il y a un décalage, Faker se met un peu mieux. Mais c'est vrai que... Il pourrait y avoir un peu plus de respect de Khan. Ouais, très Faker. Bon poke sur Faker. Ouais. Qui subit un petit peu là-dessus. Il a gratté quand même beaucoup de plaques sur cette mid lane Faker. Dans un match-up qui n'est pas supposé être évident. Une trentaine de creeps d'avance. Ils sont pas encore dehors les G2. 2000 gold, c'est un peu lourd à porter. Ben, tout va dépendre
de ses... Attention, Mikix, il se fait contrôler, Mikix qui va claquer sa stopwatch. Il y a Perks qui arrive peut-être pour faire la différence. Mikix sera sauvé. L'Esketi qui recule, casse peut-être pour l'intervention. Il va trouver l'exécution sur Mata. Wunder qui arrive peut-être un petit peu tardivement. Il a le dash, Wunder. Il a le dash, il a le grab. Il va essayer de venir chercher Clyde et il le trouvera à l'ulti. On continuera sur Teddy Kellis, Wunder, ça y est, il est lancé le top Energy 2. Ce double kill inespéré, providentiel, miraculeux pour le remettre sur les rails. Cap qui s'est fait rattraper, le proc de la chaîne de Cap. Scan, triple kill pour Wunder qu'on n'arrête plus. Faker, la partition impériale, il pourra pas faire grand chose malheureusement. Le mid laner coréen. Okay. Energy 2 qui se remettent, qui sortent la tête de l'eau noire. C'est inespéré, il récupère 3 kills là-dessus, Wunder je crois. Alors peut-être qu'il y en avait eu un juste avant sur l'action. Alors là il est... Oh les SKT, il s'est extirpé des enfers le top laner du tout. Il était dans la tourmente. Est-ce qu'il y a une bonne tempo de Clyde? Perse met quand même beaucoup de dégâts. La 4 trouve un kill très facile, le Luden qui fait beaucoup de bien. Et là c'est la force de Pyke. Même si t'es derrière, si t'es précis sur tes ultimes, tu peux toujours gapiller des kills dans ce genre de situation. Une Miss Fortune sans défense, ouais, c'est assez gratuit. La Miss Fortune, elle va être dure à jouer. Hein. Entre Pyke et entre Leblanc, ouais, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop dit jusqu'à maintenant, mais il y a tout de même du dépop assez facile, assez rapide. Un S aurait peut-être été... C'était ban. Ah, c'était ban. Effectivement, je comprends mieux. Ils ont ban deux ADC, ils ont ban Ez et ils ont ban... Le ban de Ez était très intelligent. Kai'Sa je crois, j'ai un doute. Hein. Sur la deuxième phase effectivement. Parce que là c'est vrai que pour Teddy, pour trouver sa place, ça va pas être évident là. Allez, on envoie Khan bot maintenant, on va jouer le héros de la faille côté SKT. Mais tu l'as dit, on est repassé devant économiquement parlant du côté Ditto. Ouais, ça fait mal hein, par contre un Pyke. Il a pas encore Draktar. Kamat. Ouais, il lui faut quelque chose pour pouvoir contrôler ses waves au top laner du tout. Tiamat obligatoire, bon grab, bien quoi, c'est ce qui peut venir en follow avec Piaclid hein, qui est présent. Et moi vraiment je loue... Caps qui trouvera pas. Je loue Faker. Le travail de Caps en décalage, en aide dans son équipe. Ouais. Hein. C'est impressionnant ce qu'il a fait. Alors par contre Caps, il y a une partition impériale, c'est Faker, jamais il te laisse prendre ce kill. Il va le tenter jusqu'au bout. Non, j'y crois pas. Il a pas de mana cap, il y a Tom Kench, on est en train de se commit. On est en train de se commit. Et d'ailleurs ça a été cancel. Allez, 40 secondes avant ce dragon. Oh Clyde, c'est dommage. Et je trouve qu'ils ont fait une grosse frayeur. L'arrivée d'Yankos, et Wunder. Cette fois-ci il a traversé les abysses de Tam Kench. Le grab. Il trouve un grab, il a un ulti Wunder. Oh, les G2. Bien sûr, c'est sécurisé, on donne des pièces à tout le monde. Les G2 qui régalent, qui sont en train de faire les rotations sur les bons timings. À 20 secondes, dragon séance, c'est un objectif neutre. Le premier qui va être récupérable pour la composition européenne, noire. Mais SKT est en train de rentrer dans le jeu des G2. G2, exactement. Ils ont la compo parfaite d'Escarmouche. Ils ont Pyke, en plus qui est pas un Pyke support. Ils ont Leblanc, ils ont la chaîne de corruption de Perks, ils ont la traversée des abysses de Mikix, et ils ont un Jarvan. Ils ont tout ce qu'il faut pour jouer en pick-up dans la jungle. Et SKT vient les chercher sur ce terrain, alors peut-être à contre-cœur parce qu'il s'est tout de même fait défoncer à son red buff. Mais là, du côté d'SKT, c'est du warding, de la lane. Et il faut éviter tout fight qui ressemble à ça. Et les dragons, pour le moment boudés par les G2, qui vont peut-être porter leur attention sur le top side, sur lequel les SKT sont en train d'investir avec la présence de leur duo lane, qui semble vouloir concéder ce dragon et jouer cette tourelle top, jouer ce héros de la faille. Il y a Clyde également qui est dans la partie supérieure de la map. On va peut-être avoir une Escarmouche là pour débloquer la situation. Et Wunder qui n'est pas parti de Draktar, mais Yumu. Ah ouais. Bon, ouais, pourquoi pas, hein. C'est mobilité. Ouais. Bah, pour le moment, très épais. C'est pas dit que la Draktar sera pas faite dans la foulée. Oui, hein. Oui, clairement. Parce que Draktar Pyke, normalement... Bah, surtout qu'en face, à l'exception de Braum, il n'y a pas vraiment de champion qui aime stacker de l'armure. Donc la létalité revêt son plein potentiel. Et le dragon, c'est commencé quand même par les titous. Les SKT sont plongés dans le noir, ils vont concéder cet objectif. Est-ce qu'ils peuvent trouver un catch sur Caps en compensation? C'est dur de trouver un catch hein, sur une Leblanc. Le push au mid avec un Varus.
Dans le pire des cas, Teddy aura toujours un... Oh là là, par contre, c'est un très beau cocon. C'est pas facile de trouver un catch sur une Leblanc. Il est tombé dans le panneau. Sauf s'il a fait échec. Il est resté longtemps, il est resté très longtemps. Clit Faker a très bien bait. Caps, il a attendu, hein. Il a attendu dans le bush extrêmement longtemps, mais voilà, finalement, son instinct de prédateur a pris le dessus. Il y est allé et il aurait été puni. Premier kill pour Faker, qui a déjà une cinquantaine de creeps d'avance sur son adversaire. Allez, on est en train de clear autant que possible du côté SKT. Pendant que Khan est reparti au speed push. Mais c'est très dommage parce que Khan maintenant dans son 1 contre 1, c'est pas dit qu'il l'emporte. Ils se sont inversés, il y avait 2-0 pour 0-2. Maintenant il y a 2-4 pour 4-2. C'est dommage que Khan ait jeté cet avantage que Clip lui avait donné. Il y a eu un monstrueux focus, faut dire. Non, mais... il a troll. Ouais, non. Mais on aurait pu soit mettre plus de vision, soit jouer plus safe sans la vision et sans l'information. Oh là là, ce bait. Avec la partition impériale, vraiment pour être sûr qu'il n'y ait pas d'échappatoire. Parfaitement exécuté, ouais. Allez, le héros de la faille. Même si les 14 minutes sont passées, c'est pas évident à prendre. Il y a un gros reset général des G2, là où les SKT sont en train de faire le leur avec peut-être 3 secondes de retard. Ce serait pas étonnant qu'il n'y ait pas du tout de héros de la faille dans cette partie. Même si les G2 se regroupent et semblent vouloir le contester. Ils ont le push au bot, ils ont les téléportations. Par contre, Caps, il faut absolument qu'il trouve un bon trade. Et le go-in sur Faker, la partition impériale, superbe. On a vu Yonkos arriver. Qui tient en respect tout seul le midlaner et le jungler G2. Il avait encore une barrière en rab. Attention, Caps, hein, qui veut aller grappiller jusqu'au bout. Il prend l'information, Faker qui a reculé. Mata forcé à la cleanse, le dash out sur Teddy. Elle est pas importante cette cleanse, c'était à la place du flash. Ouais. Sur le spellbook. Et du coup, on a fait le décalage, hein, la rotation bot jusqu'au mid pour Wunder pour assurer la prise de ce héros de la faille sur le back de Faker. On sacrifie la tour au bot pour prendre cet objectif. Maintenant, il faut le sécuriser 100%. La téléportation, les SKT qui vont se battre, ils vont arriver un petit peu tard. Les SKT, attention, on n'a plus la chaîne de corruption pour Perks. Il manque un ulti important. En flanc, Yonkos qui va traverser le mur et s'en aller. Fenêtre de tir pour aller gratter un petit peu cette terrain pour les SKT. Attention à Wunder, il faut respecter quand même la présence de 5 joueurs SKT face à lui. Je suis pas convaincu par ce timing. C'était back de Caps, oh joli poke. Du midlaner G2 finalement cette tourelle. Je suis pas convaincu par ce timing héros de la faille. On lâche une tour au bot, on a quasiment lâché la tour au mid, ça s'est joué. Alors très bonne idée de Caps de TP. Et je sais pas si on va pouvoir en tirer un avantage quelconque. En fait, l'intérêt quand même de récupérer ce héros de la faille, même si les 14 minutes sont passées, c'est que quand t'es contre un Azir, si tu veux le déloger de sa lane, c'est vrai. Y a pas beaucoup d'autres solutions si jamais. En plus c'est Faker qui semble quand même être dans un bon état de forme. Non, c'est si vrai, tu veux, t'as raison. Si tu veux le sortir de sa lane, il me semble que le bulldozer héros de la faille est obligatoire. C'est vrai que pour venir faire tomber la mid lane, particulièrement la mid lane, c'est peut-être d'ailleurs, une meilleure solution. On va peut-être l'invoquer maintenant du côté de Yonkos. On a un peu le temps, c'est pas mal de le mettre sur un coup de pression du dragon infernal. Idéalement, c'est vrai. C'est-à-dire, voilà, mettre le héros de la faille, au pire le laisser mourir, forcer quelqu'un au wave clear, a priori Faker, ou alors Teddy, et. Bon. Et partir à ce héros. Bon, on le fait pour prendre la tour. Voilà, on met pas de gants. Et on y va directement. La présence de Clive n'y changera rien. Chaîne de corruption de Perks pour faire reculer les skatiers. On trouve une charge, on gratte cette tourelle, il en faudra davantage malheureusement pour Lady Two pour débloquer cet édifice. Faker revient sur cette lane avec beaucoup de pénétration magique dans son inventaire face à une composition G2 qui est quand même très squishy. C'est un Azir qui peut être dévastateur en situation de teamfight. Non. Et le push au mid, y'a pas Caps, ils savent que Caps n'a pas de TP, que le temps qu'il revienne aider la mid lane, on pourra prendre la tour. On vient même mettre le passif du Azir. Et sécuriser la vision autour de cet infernal est important, très important ce teamfight, pile aux 20 minutes de jeu. Attention à ce blue buff, ça va être dur à défendre. On vient de faire le reset pour les G2, 20 secondes, on va arriver tard pour prendre place autour de ce dragon infernal. Toute la vision est récupérée par SKT, le push des lanes est récupéré par SKT avec une compo avec beaucoup de range. Et là pour passer ici devant une MF et un Brome, ça va être très dur. La téléportation, on va essayer d'arriver sur le flanc. Alors, du côté de Perks. Peut-être l'ouverture là-dessus, Wunder qui prend les devants avec son invisibilité. Khan qui trouve un peu de poke, qui se fait ramener. Les G2 là, c'est un petit peu timide. Les SKT vont commencer ce dragon infernal, est-ce qu'on va le contester? Non. Tous les joueurs G2 sont au rendez-vous, mais il se fait one burst ce dragon. Aucune chance d'intervenir à temps. Par contre, il faut punir.
Il faut punir, peut-être gratter cette T2000 pour les 10 tours. Bon travail de zoning de la part de Wunder. Assez compliqué de venir chercher, on essaye hein, vraiment de trouver du pick-up. Yorkos, oh, le cataclysme, c'est sur Teddy, c'est une MF à part un flash qui ne peut pas sortir. Mais on n'arrive pas à tempo assez longtemps. Le DPS n'était pas prêt à se mettre en place, la coordination n'était pas folle là chez G2. C'est propre ce que font les SKT là-dessus, ils récupèrent le dragon, ils arrivent à protéger cette T2. Et j'espère que la rapidité avec laquelle le dragon infernal est tombé servira de warning à G2 sur un éventuel fast Nashor. Ouais, là clairement, on a vu que... Il y a un deuxième dragon des montagnes qui arrive. On a vu que ça allait très très vite. Hein. On va revoir. Yankos qui voulait fermer la porte de sortie, peut-être essayer de refermer, de resserrer les taux. Derrière, Faker qui sonne. Hein. Ouais. Faker qui sonne tous les G2 là-dedans avec la partition, la menace de la partition impériale. Il est dur cet engage à cet endroit. Sur une équipe qui a autant d'AOE et sur une zone fixe. Et du coup, on est à une quasi-égalité au gold. C'est extrêmement serré comme rencontre. Et c'est ce que j'espérais hein, pour oui, moi aussi. Pour G2 contre SKT. Là, je suis ravi d'assister à cette game et qu'elle prenne cette tournure. Et ce serait si SKT gagne, les deux équipes sont égalité. Flashos et Team Liquid sont plus si loin. En vrai, la quatrième place qualificative, elle est pas si évidente que ça. Là où en début de tournoi, on se disait qu'il n'y avait pas photo. Attention, l'engage Wunder, la traversée des abysses de Mikix, Faker qui déblaye un chemin pour son équipe, mais là il n'y a plus personne, ni plus rien pour l'aider. Clit devrait tomber, ce serait étonnant qu'il arrive à s'en sortir. Wunder peut largement gérer le 1 contre 1. Clit dans le rôle du fugitif. On va encore à corps à base d'ulti. Hein. On va pas s'embarrasser avec des manières inutiles. Deux morts dans les rangs SKT sur un timing de Baron Nashor. Sur encore une phase dans la jungle. Hein. Alors après il y a le barrage de pont de Teddy, peut-être Teddy d'ailleurs qui pourrait le placer là-dessus, il est menacé par Yonko, s'il peut pas s'exprimer, on est obligé de laisser Mata tout seul. Qu'est-ce qu'il fait là Mata? Qu'est-ce que Mata va contester la vision dans ce buisson à 3 contre 5? C'est un Nashor quasiment gratuit qui est donné. Attention à Wunder qui a bientôt récupéré son ulti sur un burst, on va tenter de tempo. Les SKT choisissent l'agression, le flash in 2K, superbe tempo de Teddy à stopwatch. Ouais, c'est propre ce que fait Teddy là-dessus. On clear la wave. Et le Baron Nashor est confirmé pour les G2. Mata il troll. Hein. Il nous a montré de meilleures choses. Pas la première fois dans ce tournoi où Mata nous fait un défaut de positionnement. Bon, il n'y a pas grand chose pour Mikix, il n'a pas traversé les abysses. HF. Petit bug dans ce buisson. Je crois qu'il y avait noir, il y avait de la vision. Non, il n'y avait même pas de vision, SKT. Je crois même pas. Et avantage G2, Baron Nashor pour G2. On n'a pas le Baron sur les solo Nashor, on l'a sur Caps seulement. Donc on revoit l'action. Donc très bon pick-up sur Faker qui essaie de prendre la vision. Qui ne peut pas faire grand chose à ce moment-là. Ouais, la compression de G2, ça y est. Qui porte ses fruits. Qui se met en place. Maintenant, il va falloir exploiter ce timing de Baron Nashor. Encore 2 minutes 30. Wunder, c'est pas le moment de se faire catch là. Wunder, l'invisibilité, ça a de la mobilité quand même. Ouais, Pike, hein. Ça, Pike, c'est le très kit dur. Du champion est quand même généreux. Mais ça me fait un peu penser à Kane hein, dans les capacités d'escape. Ouais. Très proche. Très rapide en vitesse de déplacement. Dash à travers 25 murs d'un coup. La T2, bah, Pike, c'est intéressant quand même. C'est un support qui a un grade, un stun, une invisibilité, une régénération des points de vie, un ultime en zone qui reset. Attention à Teddy, la double distorsion de Caps qui arrive à trouver les dégâts. Par contre, on arrive à bien tempo, on perd beaucoup de points de vie sur Yonkos. Caps a une téléportation, est-ce qu'on va... On va peut-être reset plus que de mettre des téléportations pour essayer de récupérer des objectifs. Il y a encore des choses à prendre sans se risquer à aller sur la T3. Voilà, au top, comme en train de le faire Caps. À la botlane aussi, il y a toujours cette T1 sur la botlane. C'est vrai qu'il a pas mis de points dans le E, Teddy. Il s'embarrasse pas de ça. Il compte sur son support pour appliquer les slows. Lui, il veut juste faire des dégâts. Et le prochain dragon, encore un montagne. Je suis sceptique tout de même sur le choix de MF. C'était plus un choix de lane qu'autre chose, je pense.
On s'est dit effectivement que Clyde allait full focus cette top lane, ce qu'il a très très bien fait, pendant que Teddy pourrait un peu gérer son wave clear, mais en plus il a même pas pris la plus de balle. Donc j'ai un peu du mal à comprendre. Je pense qu'on débriefera peut-être un peu après la game, peut-être que le plateau d'analyse aura plus de réponses. Mais je sais pas. Je les entends rire, peut-être qu'ils ont pas non plus la réponse. Tu fais les meilleures passes, non? Ils ont le temps de se préparer. Belle passe en profondeur. Et là, t'es un bot qui n'est qu'une formalité, bien évidemment, pour l'Editou sur ce bot side. Téléportation de Mata qui va être au rendez-vous sur le bon timing sur cette T2. On a encore le Baron Nashor pour une trentaine de secondes du côté d'Editou. Et on veut passer en force sur cette bot lane. On atteste la téléportation de Perks. Ils sont 5 maintenant sur le bot side. 10 et l'engage. Yonkos, double bump. C'est parfaitement exécuté. Le double kill avec l'exécution de Wunder. L'Esketi contraint de reculer, d'abdiquer cette T2 et peut-être même la T3, Noah. Je regarde Teddy dans chaque fight, il n'arrive pas vraiment à se positionner, mais en même temps, comment lui en vouloir alors? Forcément, je pense que le Pyke au top est dur à anticiper. Mais oui, contre le blanc Pyke, Jarvan, c'est dur pour une MF de jouer. Même en plus, il y a la chaîne de corruption de Perse, il n'y a pas de cleanse. Et uniquement compter sur le pic d'un bro. Regardez Yonkos et Wunder, le combo. Super, hein, Yonkos. Mata qui se fait bête là-dessus, qui veut aller prêter main forte à Khan. Il aurait fallu le laisser tout seul, Khan. Et les G2 sont en train de s'envoler au score. Ouais là c'est. Ça sent pas bon. C'est pas perdu non plus. 28 minutes de jeu, 4000 gold. On a vu plus gros comeback. Mais effectivement, là en jouant bien le 1-3-1. Avec ce Pyke, avec Mikix, il joue très bien dans cette game le Tahm Kench. Hein. C'est peut-être un champion qui déteste jouer, mais sur les traversées des abysses, il a su amener le surnombre. Ils peuvent essayer de plier cette game, les G2. Allez, plus qu'une T2, topside, allez chercher. On essaie de chercher cette tour sans le Nashor, c'est un peu compliqué. Il y a du Wave Clear, Azir, MF. Même Jace, il y a beaucoup de poke, il y a beaucoup de range. Et donc on devrait juste tempo pour les G2, laisser les Skitty dans le brouillard de guerre, mettre des pink wards, il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de wards dans les stuffs. C'est une minute d'ailleurs, voilà, j'allais dire c'est le bon moment pour faire un reset, et c'est ce que va faire Mikix, récupérer ses wards, ça aurait été bien qu'il ait son objet à ward au dernier rang, pour avoir un supplément sur ces moments de dispute de la vision qui sont très importants. Ouais, pour pouvoir conclure cette game, à moins d'une minute de l'apparition du Baron Nashor, qui serait la clé de la fin de cette partie pour les G2. Et voilà, la fleur au fusil, les Skitty avancent dans cette jungle. Ouais, là c'est un fait check de tous les instants. Contre Varus, le blanc Pyke Jarvan. Voilà, c'est le niveau de confiance avec lequel tu rentres un peu dans cette jungle toute noire. Et ils aiment bien les shoots d'adrénaline, les Skitty, je pense. Allez, TP back sur cette mid lane. On attend Perks qui récupérait son red buff et on va pouvoir mettre en place le teamfight éventuellement de la part des G2. À moins que l'initiative ne soit entre les mains des SKT, Mikix qui prend un gros midlife. Et regardez le travail de Wunder en split push sur cette bot lane qui va punir l'absence de Khan, qui le rappelle à l'ordre, qui lui dit écoute, il est pas résistant, ta place est ici. Puis en les bots de Mercure contre un Pyke, c'est pas ça qui va t'aider à tenir. Alors le duel entre Pyke et Jace. Je pense que c'est largement remporté par Pyke, on l'a vu aux dégâts. Il y a beaucoup de burst et il y a un ulti d'exécution. Yonkos tout seul, mais il n'y a plus de partition impériale. Cam dans la backline qui arrive à se repositionner. Attention, Wunder, one shot par Faker et Clyde. Et là, les Skitty gagnent un fight importantissime en ces moments de Baron Nashor. Est-ce qu'ils peuvent pousser l'avantage? C'est pas fini, Mata, est-ce qu'il peut appliquer un slow? Mikix qui va trouver la clean. Ça devrait suffire pour le support G2. Il faudra flash également pour garantir sa survie. Ça fait Faker qui lâche son passif sur cette mid lane. Et le Baron Nashor est reporté. C'est une très très belle tempo, c'est un très beau pick-up sur Wunder. Par contre, on garde le flash sur le Pyke, plus sur Mikix, ça peut être très gênant. Ah oui, Glopo, les G2 là. Ce qu'ils peuvent. Ah, par contre, Oxlead.
C'est dommage, Clid. Oh, c'était dommage, Clid. Oh, Clid, c'est terrible. C'est fini. Il n'y a plus de smite. Il n'y a plus de smite. La téléportation de Wonder qui est en train d'arriver. Attention, Perks, Perks. Attention, pas ça, petit tir. Il y a Tam Cash qui a la dévoration. On l'utilise peut-être un petit peu tôt. Teddy se fait zoner. Et du coup, le teamfight qui tombe sous la coupe des G2. Faker fait ce qu'il peut et trouve un kill avant de mourir. Mais c'en est fait. Désespoir de contestation de ce Baron Nashor pour les SKT, 3 morts au compteur. On a sacrifié que Mikix du côté de la composition européenne. Wunder, peut-être le flanc qui va aller chercher Teddy. Oh, Wunder qui est. Oh, Wunder! Wunder qui trouve les dégâts! Wunder qui met le Wunder, le reset! Le pike top de Wunder après cette early game si compliquée qui vient. Et faire c'est le un ace de confirmé pour les G2. Le Baron Nashor qui va suivre le Dragon des Montagnes, pourquoi pas. Ce qui est certain, c'est que cette T2 va tomber sur le prochain push, voire même dès maintenant récupéré par Cap, c'est que c'est sous les T3 que va se jouer le destin qui semble funeste des SKT. Quelle remontée de G2. Ouais. Il faut la sortir cette game. Et là regarde Teddy qui peut pas s'avancer. De toute façon il n'avait pas de mana, je crois qu'il aurait pas pu faire grand chose. Les SKT qui sont complètement split. Et qui se font exécuter les uns après les autres. Et là, regardez la barre de vie de Wunder. Il disparaît de l'écran. Il revient, il est full life. Le champion qui a un kit intéressant. Il a tellement de sustain, tellement de dégâts. C'est dur à jouer, je pense que c'est très contextuel comme pick. Ouais. Et effectivement, ça se joue dans une composition de pick-up. Et Caps plus Wunder, ça met une telle pression sur chaque prise de vision, sur chaque ward, sur chaque tout petit hauteur de positionnement. Dragon des montagnes dans les mains de G2. Et là maintenant il faut aller chercher des inhibiteurs. C'est maintenant. Là il n'y a plus qu'un seul espoir pour les SKT. C'est Faker qui est le porteur de dégâts hein, de son équipe à ce moment. On a vu hein, dans son baroud d'honneur, il a emporté Mikix avec lui. Il a mis des dégâts monstrueux. S'il parvient à taper suffisamment longtemps, il pourra peut-être faire la différence. Mais là quand même, 7000 gold d'avance, les G2 qui sont en confiance, Khan qui va prendre cette chaîne. Et un flash out. Qui perd son flash. Superbe game de Caps. Alors que la T2 était perdue dans tous les cas, c'est dommage. Caps peut-être gros MVP de cette rencontre si jamais G2 va au bout. Il a tellement mouillé le maillot aux quatre coins de la carte pour aller aider toutes ses lanes. Il a transpiré Caps. Ouais. Un vrai sportif. Ouais. Et on avance sur la T3 maintenant le POC. En bot side, c'est Wunder, Faker qui doit se coller à la défense, Faker qui s'est lourdement fait poc par Wunder. Ouais, là, le Baron Nashor appliqué en simultané sur les trois lanes, ça devient irrespirable pour les SKT. On sent que l'étau se resserre, il est implacable. L'avancée inéluctable des G2 là sur les trois lanes, le premier inhibiteur qui va tomber, celui de la mid lane, la rotation est gratuite, top side, la tourelle qui tombe. Les SKT, il faut tenter un engage, il faut tenter quelque chose parce qu'ils vont juste se faire grignoter jusqu'à la fin s'ils ne font rien. Inhibiteur bot découpé par Wunder. C'est compliqué, ils sont très étirés là-dessus, les SKT sur cette défense. Faker ne peut pas être partout. Et deux inhibiteurs déjà, le troisième, avec 50 secondes de Baron Nashor. Et comment vont-ils faire? Il n'y a pas d'engage pour SKT. Il n'y a pas d'engage, on avait prévu de split. Oh, caps, et caps, caps. Et le kick est fait sur Khan, ça devrait être la fin. Faker, la partie sur Péral Mata qui vient pile juste allez, devant. Faker, il faut taper. Faker, malheureusement, qui recule, qui montre son dos. Et la première T4 qui va tomber. Clid qui temporise avec son Zonia. Yonkos le réceptionne, plus qu'une tourelle. Le barrage de plomb de la part de Teddy. Faker, peut-être pour une dernière tentative, exécutée par Wunder. Wunder qui va chercher le reset, double kill pour le top laner G2 qui offre ici le 2-0 clean à son équipe. Quelle face au SKT. Remontée. C'était tellement mal parti comme game, tellement mal avec cette déroute totale de la top lane qui se fait dive, qui prend 30 CS, qui prend 0-2, Caps qui perd aussi 30-40 CS à essayer de venir faire le babysitter au top. Et heureusement, les G2 ont tenu, pareil Yonkos aux fraises sur cette early game, mais les pick-up. Et vraiment, quel travail de Caps hein. Ouais. Impressionnant. Ange gardien de la top lane, Caps, qui a pas hésité à sacrifier du farm pour essayer de maintenir au maximum ses coéquipiers à flot jusqu'au moment où le pick de Pyke a pris toute son ampleur noire. Quel Pyke? On avait Baby Faker, Teenage Faker, mais est-ce que maintenant ce serait pas Senior Faker?
du côté de Caps. Faker Senior, ouais, peut-être. Ou alors, est-ce que Faker s'appellerait pas Baby Caps? Tout le monde se pose la question. Mais il aura peut-être manqué, alors on va pas refaire le match, on laissera ça au plateau analyse. Peut-être ce qu'il a manqué à Sketty, c'est un petit peu d'engage. Sur la fin, notamment. Je pense qu'il s'apprêtait vraiment, il pensait vraiment que ce Jazz gagnait le split. Ils avaient ce Jazz qu'on a quasiment pas vu. Et ils ont vu le pike arriver, ils se sont dit « Ah, là, il y a danger. On va mettre le pike au fond pour donner une priorité absolue à notre Jace. Et si on sécurise le split push avec un Azir, on est tranquille. » Ouais. Et ça avait bien commencé. Mais le problème, c'est ce qu'il en a fait de cette avance, Khan. Il a pris l'avance, il l'a roulé en boule. Et... ouais, il a peut-être overextend. Avant de retrouver l'or à l'analyse des, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, bien sûr, à OGaming pour avoir tous les replays en différé. Vous avez fait la grasse mat ce matin, vous avez raté les premiers matchs, et bien n'attendez pas. Voilà, il y a aussi le Twitch Prime. Si jamais certains auraient oublié de ça, parfois on oublie d'utiliser son Twitch Prime. Et aussi la nouveauté. Parce qu'on avait un Instagram pour la chaîne OGaming Général. Il y a aussi maintenant l'Instagram pour la chaîne LOL, des photos de backstage, des petites vidéos. Bref, des choses pour vous aider à mieux suivre la compétition. N'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tout petit laïus. Et maintenant, on va pouvoir retrouver Laure qui va nous débriefer cette game. Merci beaucoup Noah pour toutes ces informations sur les nouveaux réseaux sociaux de gaming. Nous ne manquerons pas évidemment de suivre la chaîne sur Instagram. Maintenant, on va parler de cette game avec un Pike Top qui apparemment avait été préparé en bootcamp. C'est Papa Smithy qui disait qu'il avait rendu visite à G2 justement pendant leur bootcamp en Corée et que Wunder lui avait expliqué « J'ai un petit truc spécial pour Jace ici ». Et vous le verrez, bon, on a eu quelques doutes pendant la phase de lane, mais visiblement le Pike n'était pas là pour suivre la phase de lane. Ouais, c'était assez bizarre. Bon, alors c'est difficile de se prononcer définitivement de mon point de vue sur le choix de Pike contre Jace parce que bon, je trouve que en 1v1, honnêtement, j'ai vu mieux quoi. À part peut-être quand le Pike est à 3 items quoi, mais bon, enfin le truc c'est que si tu te fais démonter avant, ça a pas beaucoup d'intérêt, mais du coup je sais pas à quel point c'est un... Honnêtement, genre, alors, on verra, en fait, mais je sais pas à quel point c'est un contre. Ce qui est intéressant, surtout sur Pike, et je pense qu'il faut présenter, c'est un champion qui a énormément de mobilité. Et là, ce qu'on a vu pendant tout le MSI, c'est qu'on couple beaucoup un Jace avec une Elise, donc un champion qui peut dive très facilement au niveau de la top lane. Donc finalement, je sais pas si vous vous rappelez, évidemment, pour les plus anciens, le combo c'était avant à l'époque avec Renekton. Renekton qui prend la priorité level 3, dive avec Elise. T'as pas le même délire de CC quand même. Ici. T'as pas le même délire de CC, mais par contre, t'as exactement le même délire de burst. Et donc, du coup, c'est exactement ce qu'on a vu, en fait, Clid. Appuyé sur la top lane énormément et finalement il n'a pas donné beaucoup de morts en réalité au Wunder par le... Il est mort que deux fois je crois sur la lane phase avec deux dives de la part de Elise. En réalité c'est pas énorme puisque Clid est venu 4 ou 5 fois avant la 10ème minute, hein. C'était assez impressionnant de la part de Clid. Donc c'est un champion effectivement qui peut survivre. C'est juste l'intérêt quoi, du truc. Alors j'en parlais avec Tolki justement sur Twitter parce que j'ai été une des premières à dire What the fuck Wunder, qu'est-ce que tu fais, ça a l'air d'être nul en termes de lane. Et Tolki m'expliquait que selon lui, le but ici c'est de counter Jace et Elise et leur capacité à split et faire des pick-up. Et justement, et justement, en fait, Tamkench plus Pyke, ça deny ça complètement. Ouais, en fait, le truc c'est que, effectivement, je pense que l'intérêt, pour du pur 1v1, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Personnellement, je pense qu'il faut sortir de ça, et ce qui est intéressant d'ailleurs dans la façon de G2 pour moi de voir League of Legends dans ce genre de match, c'est qu'ils ont une façon de jouer qui est très très différente des autres. Finalement, le gros intérêt de leur draft c'était la mobilité, avec Tahmkench qui peut emporter quelqu'un, Leblanc qui est super mobile, Pyke qui est super mobile, Jarvan au milieu de tout ça, bon, qui fait sa vie et qui quand même est un champion qui a deux gap closer techniquement. Et en fait, le truc, c'est que G2, ils ont un jeu qui est tellement mobile. Je sais pas, leur decision making en instantané, je sais pas comment ils prennent toutes leurs décisions. En fait, il faudrait regarder le match plusieurs fois, je pense, pour voir venir toutes leurs actions. Mais t'as vraiment cette impression que continuellement, en fait, il y a des vagues d'agressions qui viennent sur SKT et des SKT qui, pour le coup, n'avaient pas du tout une draft aussi mobile. Et au bout d'un moment, ils ont été dépassés. Non, tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, complètement. En fait, ça qui est très intéressant de la part des G2, c'est qu'ils voient en fait à l'avance. Ils ont plusieurs coups à l'avance à chaque fois. Et on l'a vu d'ailleurs notamment avec la présence de TP finalement sur Leblanc, parce que bon, c'est quand même assez rare de voir une TP sur Leblanc. On retrouve d'habitude davantage d'Ignite. Et en fait, c'était justement pour arriver à jouer la mobilité. Et on l'a bien vu, Caps
il est très peu resté, bon, il est pas très peu resté sur sa lane, mais en tout cas, il a été énormément mobile sur tout au long de la game. Il est arrivé deux fois, je crois, en top lane, voire même trois fois en top lane, à chaque fois l'accompagner le Jarvan pour arriver à faire respirer le pack. Il a énormément bougé aussi pour essayer de faire des décalages et essayer de faire respirer l'équipe. Et finalement, en fait, c'était le travail de toute l'équipe, avec même la traversée des abysses, hein. Ils arrivaient à créer des situations, les G2, qui étaient systématiquement favorables. Et je peux pas, par contre, m'empêcher de jeter quand même la pierre à SKT, parce que le fight en fait qu'ils ont pris au niveau du red buff, au niveau là, une fois que la T1 était pas encore récupérée, c'était à mon avis le move qui a condamné en fait tous les. Tu parles du fight sur le timing recall de Faker à 12 minutes, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est ça qui a condamné en fait. Bah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se voit sur la minimap, hein, genre il y a SKT qui va contester la vision à 3. Alors why not pour le coup? Seulement Faker est en train de recall, hein, il y a le petit cercle autour de lui, donc il est en train de back. Et là il y a un fight, c'est SKT qui va le chercher. Je crois que c'est SKT. C'est eux qui, plus, oui, c'est eux qui ouvrent la base. C'est SKT qui vient le chercher, donc qui conteste la vision à la limite à 3. Bon, c'est pas si choquant que ça. C'est sur le timing recall d'Azir. Alors, on a fait plus opti, mais à la limite, pourquoi pas. Mais le truc, c'est qu'il force le fight en plus. Et le Azir, en plus, il commence à fight. Vraiment, les premiers échanges sont là. Et le Azir continue à back. Le truc, c'est que Faker avait plus de mana. Donc bon, bah, il pouvait pas rester. Dans tous les cas, ça servait à rien qu'il reste. Mais du coup, effectivement, c'est extrêmement contestable de la part d'SKT d'avoir voulu poursuivre ce fight dans l'entrée de la jungle des G2. Et là, les G2 se sont dit, oh, c'est notre heure. On a une draft super mobile. C'est parti. Cette fois-ci, on y va. Faker était pas là. Ils étaient trois joueurs SKT. C'est le comeback de G2 à partir de ce moment. Et c'est le moment où ils ont pu commencer à mettre en place leur jeu mobile. Et pour moi, le point d'orgue de tout ça, ça a été quand ils réussissent à catch Faker dans son propre camp topside. Alors là, voilà, c'est ce, là, regardez le Azir. Ouais, c'est pas qui est ici à la base. Après, bon, par contre, ce qui est étonnant de la part de Faker, c'est qu'il prenne son back alors qu'il doit jouer normalement avec Presence of Mind au niveau des runes. Donc il aurait pu régénérer sa mana si jamais il récupère un kill. C'est quand même 25% ouais, de mana, c'est ouais, mais bon, le truc, c'est il avait combien de gold en banque? T'as pas tout tes HP, t'as pas beaucoup de mana, tu vois, genre. Et il faut quand même aussi appuyer sur la force de Pyke au niveau de la top lane, c'est que finalement un kill compte double avec ce champion, oui. Puisque quand tu mets ton ultimate, évidemment, c'est deux joueurs qui en bénéficient. Donc il a récupéré 11 kills, c'est pratiquement fin de ce kill en fait. Ce catch là, ce catch, franchement, à la base, tu regardes la situation de Faker et tu dis, oh, ça va. Et en fait, comme ils ont Pyke, Tahm Kench, les G2, et que dès qu'ils ont une option, ils rentrent sur les SKT, bah en fait ça va pas du tout. Genre les SKT ils se disent, ah ça va à peu près, on a le temps de prendre de la vision. Et non, en fait ils se font directement encerclés par les G2. Quelle erreur de Khan aussi, quel placement discutable pour lui. Je voulais en arriver là, ouais. Khan qui nous fait des belles démonstrations de Khan à l'international en fait, ouais. Parce que j'ai envie de dire, chez Kingzone c'était un peu la même chose, ces déplacements hasardeux qui coûtent souvent des actions décisives. Ouais, alors oui, après je pense que ce qui se passe bot, honnêtement, c'est sûr que ça coûte l'action au SKT, mais honnêtement, G2 avait déjà lancé sa machine à snowball et à mouvement, donc oui, c'est une erreur, mais genre c'est un peu mineur dans la game dans son ensemble finalement. C'est 1200 gold quand même, hein, offert. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, SKT était largement dépassé à ce moment-là, tu vois. Enfin, après, peut-être qu'ils peuvent défendre un peu, mais je veux dire, c'est pas le plus important dans le match pour moi, quoi. Le plus important pour moi, c'est le move où ils sont dans l'entrée de la jungle. Alors qu'ils avaient un vrai avantage à ce moment, les SKT, et je pense que c'est le fight qu'ils auraient pas dû forcer, quoi. Et c'est marrant parce que vraiment le match, tu vois, Faker il tente tout ce qu'il peut en team fight, mais le truc d'Azir, c'est que ça peut être un peu mobile, mais quand même, au bout d'un moment, ça a besoin d'être un peu statique pour mettre des dégâts. Ça marche pas. Est-ce qu'il manquait pas un téléport justement du côté de Faker? Non, après, voilà. je parle plus en team fight, honnêtement. Est-ce qu'il mais même en fait au niveau de la, joue quoi, sur il la joue carte, barrière. Il joue barrière, ouais. Après, bon, contre le blanc Pike, c'est obligatoire, je suis d'accord. Ça, puis ça me fait mal de le dire, mais honnêtement, Mata, depuis le début de la compétition, c'est un désastre. Oui. Il y a pas mal de moments moyens, c'est... effectivement. Il y a ce moment où, il va contester la vision, là, un peu en solo, alors que SKT vient de perdre un joueur, je crois. Non, mais c'est sûr, Mata, pas super affûté, hein, sur ses décisions, sur ses déplacements. Mais voilà, après, alors c'est sûr qu'SKT a fait
Ils ont eu leur moment quand même, hein, 20, ah oui, post oui. 20 minutes, bah, ils auraient pu revenir. Le moment où la courbe s'inverse, c'est le fameux fight dans la jungle. Hein. Oui, oui, minutes, je te parle du deuxième moment où SKT, enfin où la courbe repasse côté bleu. Ouais, je sais pas c'est quel moment. Bah moi non plus, justement, bah, en fait, je me demande à 20 minutes. Mais... Je crois pas que ce soit un moment précis, c'est juste que de façon générale, SKT a accumulé beaucoup plus de farm. Si, en fait à ce moment-là, c'est le moment où SKT arrive à récupérer les tours et en fait, les G2 décident de sacrifier leur tour pour laisser le bleu récupérer du farm. Mmh. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais à un moment, Perk c'était énormément derrière en CS. Je crois qu'il avait 116 de retard. Et en fait, ils ont sacrifié complètement la T1 sur la mid lane en disant Perk, non, c'est Caps plutôt. Caps avait beaucoup de retard. Caps, il y avait 116 de retard. Ils ont sacrifié la T1 pour laisser justement du farm à Caps et qu'ils reviennent en XP, etc., etc. Ok, donc compréhensible. Est-ce que SKT aurait pu revenir ici? Parce que quand on voit, ils essayaient de faire des setups de vision, justement, de tenter des escarmouches où ils pouvaient, ce qui était le but de leur compo, et à chaque fois, ça pêche. Bah, le problème, c'est que dès qu'ils essayaient, en fait, G2, ils étaient là, ils regardaient, ils disaient, oh non, on les laisse pas prendre de la vision, on y va directement, on les fight dès qu'on peut. Et c'est ça qui, est, c'est ça qui était vraiment bien joué de la part des G2, c'est ce côté, ben, on attaque par vague, en permanence. Et c'est ce qui fait la force de G2 pour moi, c'est ce style où, il laisse jamais l'adversaire respirer. Mais pour moi, leur style là comme ça, c'est assez unique. Pour moi, Invictus Gaming joue pas du tout comme ça, par exemple. C'est marrant parce que sur Twitter, les analystes avaient tendance à dire le contraire, que justement G2 et Invictus sont assez proches dans leur manière de faire et notamment l'agressivité qu'ils peuvent avoir. Moi, dans ce genre de cas, je trouve. Enfin, le truc, c'est. Enfin, oui, les deux équipes sont aussi agressives, mais je trouve G2 beaucoup plus intelligent dans son agression personnellement que Invictus Gaming. Sur la carte, c'est incroyable ce qu'ils font. Ouais, IG, je les trouve pas du tout aussi intelligents sur la carte, honnêtement. Donc. Oui, ils sont aussi agressifs dans l'idée, mais ils le font pas de la même façon. Et pour revenir rapidement sur SKT, en fait, c'était impossible pour eux. Donc, effectivement, vous avez parlé des escarmouches, mais en réalité, tu peux pas faire d'escarmouches du tout avec une composition comme celle-ci, surtout face à un Tamkench et face à une Leblanc téléporte, etc., etc. On en a parlé de la mobilité. Et en plus, le Pike est parti sur bonne mobilité. Je sais pas si vous avez vu le déplacement, la vitesse de déplacement qu'il avait. C'était terrible. C'était super rapide. Et après, donc, du coup, ils ont une composition finalement qui était plus orientée dans les teamfights avec le Azir. Ouais. Sauf que t'as pas d'engage. Donc t'as pas d'engage, t'as pas de CC pour le blanc, t'as rien pour arriver à tenir le Pike non plus qui a beaucoup trop de mobilité, t'as rien pour tenir le Jarvan maintenant qui était monstrueux, je crois qu'il avait une Warmog, une Toupasseron, enfin bref c'était un Jarvan qui était intuable, et après avec un Tamkench derrière qui peut couvrir le Varus, donc il y avait trop de trucs. Il y avait trop de trucs et du coup ça nous fait un 2-0 pour G2 Esports face à SKT. On va se quitter quelques minutes et on se retrouve pour le dernier match de la journée qui va être Invictus Gaming contre Fongvu Buffalo. A tout de suite.